Salut à tous, c'est Zacorp. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau test. Et aujourd'hui, je vais vous tester le Starbuzz Bold Apple Doppio. Donc, dans ce sachet, on retrouve un beau tabac bien ambré. J'adore cette couleur pour le tabac, je trouve ça super joli. Donc, pour l'odeur, alors moi, je pourrais le comparer au parfum AF double pomme au niveau de l'odeur. Sauf que au lieu d'avoir ce parfum d'anis, on a un goût de réglisse, un peu sucré. Et au niveau de l'odeur, moi j'aime beaucoup le réglisse, donc je trouve que ça sent vraiment très bon. C'est un peu sucré, on sent pas vraiment la pomme, un petit peu, c'est sucré, ça vient sûrement de là. Mais ouais, ça sent vraiment très bon. Au niveau de l'odeur, moi je lui mettrais 5 étoiles parce que j'aime vraiment ça. Ça sent très très bon. Donc la session d'aujourd'hui, je vais utiliser la chicha Mia Luna avec le tuyau Kaya Interlude, foyer Vortex, charbon Instant Line naturel 40 mm. Hop, je vais enlever le couvre charbon et on va passer tout de suite au goût. Alors déjà de latte, je ressens un goût frais dans la bouche et dans la gorge, c'est assez agréable. On a un bon goût sucré sur la langue, on a un goût bien présent de réglisse qui est super bon moi je trouve. Ouais, ça prend vraiment bien la bouche, c'est super agréable. Moi j'aime beaucoup le réglisse et là ça passe vraiment bien. On a un bon goût qui est assez fort, assez prononcé de réglisse et ça c'est super bon. Le goût passe vraiment vraiment bien, moi je kiffe beaucoup. Là, c'est un gros coup de cœur pour ce tabac. Un Starbuzz Réglisse, je pensais pas qu'il y en aurait. Et ben finalement, ben voilà, c'est un bon résultat. Moi, j'aime beaucoup le goût. C'est assez sucré, on sent pas la pomme. On a surtout ce goût de réglisse bien prenant. Mais je trouve ça super agréable. Plus ce petit goût frais qu'il y a en gorge, c'est super agréable à fumer. Ben, au niveau du goût, je vais lui mettre. J'hésite. Ouais, je vais lui mettre 5 étoiles, hein, vu que je kiffe. Je kiffe bien, je pense que celui-là c'est un que je pourrais me faire péter au kilo carrément de Starbuzz. Donc maintenant on va passer au maximum de fumée que j'arrive à avoir. J'ai mis le couvre-charbon et c'est parti. On a une belle fumée, digne d'un Starbuzz, bien blanche, bien dense, comme j'aime. Bon, la fumée, ça ne fait pas tout, le goût est vraiment là aussi. Franchement, c'est super agréable de la fumer, ce tabac. Ouais, franchement, c'est un super tabac. Il n'y a pas à dire, il est excellent. Voilà. Au niveau de la fumée, je mettrai 5 étoiles aussi. Parce que voilà, on a une belle fumée de Starbuzz. Ça fume, c'est bon. Ça a une bonne odeur. On a la totale sur ce tabac. Il obtiendra la note finale de 5 étoiles, ce Starbuzz Apple Doppio. Franchement, je suis pas mécontent de l'avoir commandé. Ouais, je pense que j'en rachèterai parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ce test touche à sa fin, pardon, je perds un peu ma langue. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau test, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, ça se passe juste sous la vidéo, ainsi qu'à lire la description, il y aura des infos utiles, ainsi que mon Facebook. Pensez aussi à visiter ma chaîne, avec la petite option recherchée.
pour voir tous mes autres tests, tous les parfums qui vous intéressent le plus. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau test. Peace et à la prochaine.